Audience Access 19h, C'est à vous pulvérise son record historique avec l'interview d'Emmanuel Macron. C'est à vous, demain nous appartient, n'oubliez pas les paroles, ici 19-20e, tous en cuisine, menu de fête avec Cyril Lignac. Les audiences du 19h à du mercredi 20 décembre 2023. Le leader. N'oubliez pas les paroles, France 2, 2,94 millions, 16,2%. Nagui passe sous la barre des 3 millions de téléspectateurs mais reste leader de la case. L'événement. C'est à vous France 5, 2,92 millions, 16,5%. Au lendemain du vote sur le projet de loi immigration, C'est à vous se délocaliser à l'Élysée mercredi soir pour une émission exceptionnelle avec Emmanuel Macron. De 18h56 à 19h57, Anne-Elisabeth Lemoine et ses équipes ont interrogé le chef de l'État sur les moments clés de 2023 et les perspectives de 2024. Un entretien qui a permis au Talk de France 5 de réaliser son record d'audience historique. L'émission a réuni 2,92 millions de téléspectateurs, 16,5% du public, tandis qu'un pic d'audience à 3,37 millions de téléspectateurs a été enregistré à 19h51. Depuis la rentrée, le talk show produit par Media One attire chaque soir, en moyenne selon Médiamétrie, 1,15 million de téléspectateurs, 7,1% du public. Son record de saison affichait jusqu'alors 1,45 million de fidèles, 8,3% du public, tandis que son précédent record historique s'établissait à 2,11 millions de téléspectateurs, le 20 avril 2020, lors d'une émission consacrée au Covid-19. Le record historique de part de marché avait quant à lui été enregistré quelques jours plus tôt, le 15 avril 2020. Là encore, il s'agissait d'une émission spéciale consacrée au coronavirus. Le reste des chaînes. Demain nous appartient, TF1, 2,72 millions, 15%. Ici 19-20e France 3, 1,95 millions, 10,7%. Tous en cuisine, menu de fête avec Cyril Lignac, M6. 1,19 millions, 7,7%. TPMP, première partie, C8, 836 000, 4%. Quotidien, première partie, TMC, 798 000, 4,2%. Arte Journal, Arte, 572 000, 2,9%. Paf avec Baba, C8. 515 000, 3%. Un dîner presque parfait, W9, 341 000, 1,9%.